Les amis, vous n'allez pas le croire. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Chub? L'école des ninjas, il vient d'ouvrir. Hein? Et ça se situe où? Bah, seulement 2 km. Oh, 2 km. On pouvait pas faire plutôt 5 km. Oh, ninja, ça a l'air cool comme idée. Hein? C'est pas vraiment mon truc? Ouais, bah, moi non plus. Bah, pourtant, tu as ton coquillame. Et? Bah, ton sort de coquillame ressemble à un outil ninja. Porte quoi? Bah, pourtant, ça ressemble quand même. Écoute, c'est comme si je me mettais à dire que l'épée ressemble à un outil ninja. Oh, d'accord. Donc ça n'a même pas de sens. Ouais. Mais bon, qu'importe, ça peut donner des idées quand même. Alors? Ouais, pourquoi pas, j'y vais. Oh, c'est sûr, moi aussi je viens. Ouais, pas vraiment, c'est pas le même genre de truc, les ninjas. Ouais, tu préfères être une princesse? Ça n'a rien à voir, je trouve que c'est un peu trop violent à mon goût. Moi, je suis pas le genre habitué à faire les ninjas. Grenousse, oui, mais moi, j'ai déjà d'autres métiers que ça. C'est-à-dire? Bah, je suis un Pokémon type O. Bah, et alors, Grenousse aussi? Oui, mais sauf qu'il a la capacité de ninja, moi... Ouais. Bon, bah, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? On n'attend pas, on y va! Oh cool, allons-y! Attends-moi quand même! Ah. Bon bah, qu'est-ce que tu veux en attendant? On peut se commander des pizzas? Désolé. Bon bah, je vais commander quand même. Oui! Les mecs! Ah, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais... Oh, j'étais dans un plein... J'étais dans un plein rêve magnifique. C'est quoi? Que j'allais faire une vidéo de camping victime de Chop. Ça a l'air malin de rien, mais c'était mon idée. Oh, je suis un peu fatigué. Non, on n'a pas le temps. On a l'école de ninja. On pourrait apprendre des trucs ninja contre Chop. Ah, t'as qu'à le faire, moi ça m'intéresse pas vraiment. Moi non plus, au cas où je sais. Tu pouvais pas nous réveiller. C'est pas le moment de dire n'importe quoi. Il faut y aller pour qu'on soit de meilleurs combattants pour battre Chop. Qu'est-ce que vous racontez là? Ça veut rien dire ce que vous dites. Normal, on vient de peine de réveiller. Ouais, d'accord. Oui! Oui! Dans ce cas, j'y vais toute seule. Pour une fois que ce soit moi qui fasse tout le travail. Tandis que d'autres gadgets à prévoir. C'est toujours moi qui fais tout le travail. Ah, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Bon, bah, si tu permets. Je vais faire camper le victime de Zelda dans mon sommeil. Non, c'était mon idée. Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi ou il y a presque personne à l'entrée de l'école? Bah, en même temps, ils sont entrés, donc c'est à peu près normal. Vous avez tout faux. Quoi? Pourquoi? L'explication, à vrai dire, il est 13h de l'après-midi et malheureusement, bah, c'est tout ce qu'il y a à l'école. Ouais, normal, c'est presque pas normal ça. Je sens que ça va être une arnaque. Ouais, mais je suis là pour être un ninja. Pour être cool auprès de Mordecai. Oh, ah oui, je comprends totalement, hein. Oh non! Vous! Toi! Tu dois être... un des membres de la bande à Panthère Rose. Exactement. Et qu'est-ce que vous faites ici? Je me demande la même question sur toi. Et surtout, je sais plus pas comment tu t'appelles déjà. Ah, je suis Lefty. C'est pourtant évident. Lefty. Bah, c'est... Non, je te connais pas très bien. Logique. Qu'est-ce que tu es venu faire cette fois pour manigancer quelque chose? Rien de spécial. J'aimerais bien être un ninja. Juste histoire pour débarrasser de vous. C'est il y a presque peu de chance parce que nous on a quand même des compétences
sans vouloir m'en vanter. Ha ! Tu te mets à vanter ! Sauf que moi, j'ai beaucoup plus de QI que tu aurais jamais imaginé. Je suis capable de créer des machines. Mais malheureusement, il y a des certains inconvénients. Mais tout de même, c'est humain. Ouais, bah, tu vas essayer de faire moins le malin quand on sera beaucoup plus expérimenté. Ça, c'est ce que tu crois. Bonjour tout le monde. Je suis Naruto. Je suis le professeur de l'école. Un peu de tenue, enfin! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Rien, rien. Je suis un shinobi. Ninja? On s'en fiche! Et à ce que je vois, vous voulez être des ninjas? Exactement! Bah, il me semble que ça va prendre beaucoup plus de discipline, d'étape par étape, et surtout d'expérience pour devenir un vrai ninja. Sachez que ça va pas être du gâteau du tout. Dites, tu serais pas le vrai Naruto dans... Hein? Ah oui, je suis Naruto Uzumaki, qu'est-ce que tu crois? Bah, de toute façon, j'ai déjà un rêve, devenir un vrai ninja, pour devenir Hokage. Bah, je suis Naruto depuis longtemps, je m'en souviens avec l'histoire du renard à neuf queues, ou bien encore l'histoire de l'acceptation qui soit, ou de Sasuke, ou bien de Sakura, de la plus inutile. N'en dis pas plus, n'en dis pas plus. En tout cas, je suis bien content que vous soyez ici. Hein? Ils n'ont pas pris le pied à la lettre. Donc on va faire des étapes de ninja, par ninja, pour devenir un vrai ninja. Ouais. C'est surtout pour devenir encore plus expérimenté, afin de battre les ennemis. Et moi, c'est pour battre... Non. Être un ninja n'a pas d'objectif banane. Il doit avoir un objectif principal, de protéger les êtres qui sont chers. C'est totalement logique. C'est-à-dire... le trophée. Hein ? Quoi ? Bah oui, il faut protéger le trophée. Le trophée, c'est le plus important. Un peu qu'ils ne sont pas cassés, hein. Pour qu'on puisse les revendre. On commence la leçon. On va commencer par la leçon numéro 1. Eh bien, mes très chers criquets, pour votre première leçon, il faudrait avoir la technique secrète. La technique secrète? Exactement. Et c'est très simple, il suffit que vous disiez avec les trucs avec vos doigts. Technique secrète, multiclonage. Comme ça. Ah, attends une minute, je vois pas de multiclonage. C'était juste un exemple. Bref, je reviens vous voir. À moi. Technique secrète. Plongée. Aïe. Pas comme ça. Bon, quelqu'un peut faire un exemple? Moi, par exemple, je m'y connais beaucoup. Technique secrète. Quatre pattes. C'est pas une technique secrète. C'est une banalité totale. Oh merde. Toi la fille. Quoi? Vu que tu es la seule, utilise la technique secrète. Bon, d'accord. Je sais pas si je m'y connais pas en ninja, mais... technique secrète. Temps écoulé. Quoi? J'y vais pas. Dans quand tu dis des techniques secrètes, il faudrait que ça soit rapide, parce que ça soit lent. Sinon, t'imagines ça si on te poignarde dans le dos directement? J'aurais jamais cru que je déteste quand quelqu'un a raison. Et que moi j'ai tort. Ouais. Et quant à toi, alors, à ton laveur. Oh! Technique secrète. L'escalade invisible. Waouh, je n'ai jamais vu une technique secrète comme ça. Mais ça a l'air cool, tu pourrais m'en apprendre? Attends, tu es un professeur, mais tu me demandes d'apprendre quelque chose? Ouais, ça a l'air cool ce que tu as fait. J'avoue que là... En effet, il a beaucoup plus de QI. Hey, toi le renard. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu pourrais faire une technique secrète? Ouais, c'est vrai ça. Toi, on t'a pas vu faire des techniques secrètes. D'accord. C'est quoi, comme ça Langue vive, prospérité. Non, pas un truc de Star Trek. Ah, que la force soit avec toi. Non, pas un truc de Star Wars. Vous ne passerez pas. Non.
Oh, oh, toi, t'es le plus nul de toutes. Bon. Bon, pour les techniques secrètes, vous n'avez pas réussi à le faire, mais bon, c'est juste un début. On va passer maintenant à la deuxième leçon. Pour votre deuxième leçon, la métamorphose. Hein, super, ils sont même pas foulés. En plus, c'est même pas être un ninja. Croyez-le ou non, si, ça y était dans les animés Naruto. Je m'en souviens avec le premier épisode avec le sexy jutsu qui a été fait par un Naruto. Le sexy jutsu? Mais c'est quoi ce pint? Bien d'ailleurs, vu que tu es le premier, utilise ta métamorphose. Faut faire comment? Comme ça. Métamorphose. Ok, pas de problème mon coco. Eh ben, tu as l'air beaucoup plus motivé quand il s'agit de Naruto. J'en suis fan. Métamorphose. Oh, j'aurais jamais cru que tu aurais pris une forme comme ça. Où est-ce que tu voulais revenir par là? Quoi? Non, Chuck, t'exagères. Quoi? Oh non! Est-ce que quelqu'un pourrait... Est-ce que je pourrais avoir une nouvelle cabinet? Bah ouais. Je pense qu'il est amoureux. Non! Arrête de dire ça comme ça! Bah forcément, quand tu utilises le métamorphose, forcément tu penses à quelque chose. À la personne qui t'est le plus profond de ton cœur. Hein. Ouais, exactement. Donc j'avais dit... Non! Arrête de dire ça! Tiens, puisque toi tu as l'air de râler, pourquoi ne pas utiliser le métamorphose? Ah, merci, Clayboy. À quoi? Bon, bah, c'est comme ça. Ça pourrait te rattraper des autres fois. D'accord. Multiclonage. Tu te fiches de moi? Pourquoi tu dis ça? Tu penses à porter rose? Oui, aussi, parce qu'il y a des fois où tu me fais vraiment penser à porter rose avec tes... Non. 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 Non, non, non. Est-ce que quelqu'un... Est-ce qu'il y aurait un cabinet pour filles? Ah, ouais. Justement, il est là-bas. Porter rose, ça a l'air pourtant évident que porter rose, ça a l'air presque une fille. Pourtant, il n'arrête pas de répéter des fois que c'est un mec et non une fille. Et toi, Lifty? Ouais. Montre-moi ta technique. métamorphose. Et regardez-moi la forme superbe. Boustillon avec hydroblast. Tu m'as même pas fait sortir. Coquillade, oh merde. Parfaite, tout simplement parfaite, merveilleux. Tu as très bien respecté. Toi, tu as franchement du cran d'être un ninja. Je me demande parfois si ce serait pas un coup de chance. Mystère. Maintenant, troisième test, l'escalade. Ah, mais il y a même pas de rampe. Ah bah c'est pourtant évident, il se fait utiliser avec votre pied. Mais c'est complètement malade. C'est pourtant ça, être un ninja, utiliser avec votre chakra pour exercer avec votre pied et vous pouvez l'escalader. Une démonstration, désolé, mais seul un vrai ninja va le faire tout seul. Ah, désespérant. Moi, je peux le faire. Attends, j'ai même pas fait de démonstration pour actionner les chakras. Permutation des pieds. Permutation, ce serait pas plutôt pour les hommes contre-attaques. Non. Ok, d'accord, c'est vrai. Concentration de chakras envers les pieds. Bon, bah, c'est drôle parce qu'à chaque fois, il s'est refait exactement la même chose. Dans les autres fois. Bon, concentration de chakra. Et c'est parti. Aïe. Suivant. Oh. À mon tour. À mon tour. Ok. Concentration de chakra. C'est parti. Non. Suivant. Laisse-moi vous faire montrer les pros. Concentration de chakra. Ah, ça va, je... Aïe. Suivant. Pro de mon œil, ouais. C'est pourtant la stricte vérité. Je sais que je vais utiliser ma propre technique. Ouais. Hé, hey, mais tu triches, hein. Tu devrais utiliser la technique chakra. Quoi? Non, c'est pas du jeu. Toi, t'es disqualifié. Aou.
Oh, est-ce que t'étais obligé de... Oui, je suis obligé de m'énerver parce que tu n'as même pas respecté le couture du ninja, hein? Et toi? Eh oh, on rentre du boulot. La 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 la. C'est ça? Toi, c'est même pas mieux. Rabat-joie. Pousse de là, Midus. Concentration de chakra. Ouais. Alors, c'est qui le pro? Vous prenez exemple sur lui. Lui, au moins, il respecte les coutumes de ninja. Exactement. Tout ceci a l'air assez louche. Et enfin... tu as dit « et enfin quoi ?» Voici les récompenses de tous ces niveaux. Le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. Quoi? Et c'est tout? Je croyais qu'il y avait le prochain test. Qu'importe. De toute façon, c'est fait, c'est fait. Je vais voir qui est le meilleur des ninjas, qui mérite vraiment d'être un vrai ninja. Toi, tu as osé trahir le niveau, donc tu mérites pas. Toi, tu n'as pas fait une bonne performance. Toi, moins. Toi, non. Toi, t'es vraiment le pire. Et toi, je pense que sans aucun doute, tu as fait le meilleur performance des ninjas. Donc toi, tu es qualifié en tant que vrai ninja. Oh, c'est pas possible. Comment il a fait pour avoir des meilleurs niveaux? Grâce avec notre talent. Eh ouais, désolé les amis, mais malheureusement, vous pouvez pas être un ninja parce que vous n'avez pas rempli les bonnes conditions pour être un vrai ninja. Eh, tu sais, avec ton histoire de talent, t'as pas vraiment faux du tout. Comment ça, pas vraiment? Où est-ce que tu voulais en venir? Parce que j'ai un gros talent. Celle de... Quoi? De créer des machines? Quoi? Oh non! J'ai perdu mes talons! J'en savais qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas! Ouais, exactement! J'ai volé les compétences de Naruto et maintenant c'est devenu un gros attardé! Et comment t'as fait tout ça? Grâce à mon costume, grâce à mes bottes magnétiques et surtout grâce à mon tenue de vol. Alors je savais qu'il allait... Attends, tu as deux tenues? Ouais, exactement. Qu'est-ce que tu croyais? Enfin bref, qu'importe. Maintenant, j'ai beaucoup plus de compétences. Et maintenant, il est grand temps pour vous que je vais vous donner une bonne leçon gratuitement. Ouais, mais sauf que tu es maintenant à 5 contre 1. Et attends, et moi alors? Bah, tu n'as plus de pouvoir, donc... Ouais, mais j'ai toujours des compétences. Ferme-la, Minus. Bref, il est grand temps que je débarque de vous, et je serai plus fort. Alors c'était donc ça? Tu t'es servi de tes compétences pour prendre le stylo, pour voler les pouvoirs de Naruto? Et c'est maintenant que tu viens me dire... Ouais, j'avais sur le coup, après ma déception de ne pas être ninja, j'avais une réaction un peu plus longue. T'es pas sérieux? Mais enfin bref, de toute façon, je vais tous vous battre, car je suis invincible. Mon pouvoir. Ouais. Rappelle-moi, pourquoi est-ce qu'on a réussi à le battre? Parce que son seul inconvénient du stylo, c'est que ça le frappe automatiquement. J'aurais pu penser à ça. Pshaw! Pshaw! Je reviens. Pshaw! 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 Bon débarras. Merci beaucoup. Vous autres. Même si bon, c'est Lefty qui a fait tout ça. Enfin bref, je vous dois votre reconnaissance. Alors on est qualifié pour être de vrais ninjas? Non. Quoi? Parce que je tiens quand même la route. Vous n'avez pas vraiment accompli de bons objectifs pour être un ninja. Bah, surtout que lui, il a fait un gros tricheur et que lui, bah, il a fait n'importe quoi. Donc je suis désolé, mais ce sera pour une prochaine fois. Oh. Allez, viens, Chup. On n'a plus rien à faire ici. Oh, c'est vraiment pas juste. Ouais, bah je suis désolé. Oh, du coup, Mordoka va me prendre pour un loser. Oh, c'est pas vrai. Bon, bah j'ai quand même cherché un ring pour faire du catch. Parce que seul les cool peut faire ça. Non, les ninjas c'est mieux. D'où tu dis que c'est mieux? Bah, je dis la vérité. Oh, t'es chié. Bah, quoi? Alors, ça s'est passé comment? Pas top.
On n'a même pas été qualifié pour être ninja. C'était une grosse déception. Il y a quand même une chose qui est importante. Que vous soyez vous-même. Ouais, tu as raison. Mais, hey Zelda, j'aimerais te dire un truc. Chop a été métamorphosé en... Quoi? Bah Yoda, pourquoi t'as fait ça? Parce que ça me gave. De quoi? Laisse tomber.